Et bonjour tout le monde, nous revoici sur The Guild 2 où j'ai déjà le contrôle de la ville, mais pas un contrôle total, comme dirait-on. Alors, maintenant que j'ai quelques hommes sous mes ordres, que j'en ai pas beaucoup d'ailleurs, lui ramasse de l'or. Je vais essayer d'optimiser certains de mes commerces. Hein. Il s'avère que c'est ma forge. Niveau du bâtiment, il me faut 4750. Bon, ça va être long. Je sens que ça va être long pour les avoir. Hein. Alors, amélioration... Non, production. Qu'est-ce qu'ils produisent? Ah, ils se sont fait... Putain, mais en fait, il y a trop de trucs, là. Vous avez maintenant un fils. Ouais, j'ai un fils. Comment va-t-on l'appeler? Nous l'appelons Vlad. Voilà. Brave petit. Putain, mais ça se déplace tout le temps, hein. C'est un bordel. Hein. Allez, pars vendre. Va. Mais il veut pas. Hein. Oh, il faut charger la charrette un peu plus. Hein. Comment ça se vend, ça? 88, ouais, c'est pas ouf. Hein. Saumon fumé... C'est un peu se faire entuber, hein. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ça se produit rapidement. C'est un truc de dingue. C'est comme ici, hein. Ça doit être assez rapide, hein. Ah bah, ici, ils me font des soupes. Ça se vend bien, hein. Le top, c'est ça. Ah, 1300... Là, on est bien. Même ça, hein. L'or, là... Ultra rentable. Mais nous avons un autre petit commerce à gérer qui est ici, une simple petite fonderie auquel j'ai déjà deux charrettes qui me font ça. Ah, je voulais l'upgrade. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Une cuve. Un ouvrier en plus. Une protection. De la ferrue. Du stockage. Et un tablier de forgeron. 4000. Oh, là, on a pris beaucoup, là. Là, c'est monté dans le coup. On sent l'argent qui coule à flot, là. Aïe, aïe, aïe. C'est juste génial. C'est génialissime. La demande d'un comptoir est terminée. Oh, ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il nous parle? Alors, nanana... Et nanani. Alors nous, ce qui compte, c'est que déjà, on est le maire de la ville. C'est plutôt déjà pas mal. Hein. Là, il faut que je m'en réussisse vraiment, vraiment beaucoup. Donc, vous allez me voir faire principalement du commerce. Hein, dans lequel je vais essayer de refourguer mes... tout ce que je peux faire, en fait. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de mystère, hein. Ah, il faut que je produise un peu plus. Hein. Ce qui est marrant, c'est que les bâtiments sont gérés automatiquement et sur toute la carte. Donc pour le moment, j'ai l'impression que ça vend qu'en ville. Hein. Et vu que ça produit relativement lentement. Oh, 5, mais vas-y, va vendre. C'est quoi ça? Oh, d'accord, une charrette à bras. Ah ouais. Vends-moi cette merde. Achète-moi ça, vas-y. Pas grave si je perds un peu de sous, balèque. Hein. Tant pis, hein, comme on dit. Alors, à chaque fois, ils produisent ce qui est demandé à peu près le plus. Je dis bien à peu près. Donc là, on arrive à un total de 3000. Putain, ça, par contre, c'est long. Mais ça vaut un peu plus cher. Hein. Limite, il devrait faire... Ah, mais c'est ça qu'ils faisaient au départ. Hein, donc, Ah! La guide des flux d'un bourg encore le contrat suivant. Hein. Recherche un quart du nom pour sa protection personnelle. Le contrat. Ouais. Nous on s'en fout, hein, là-bas. C'est pas notre fief. Hein.
Nous, c'est vraiment notre ville, hein. Le reste, pas les qu'un. On va accélérer un peu le temps. En mettant très rapide pour gagner un peu plus rapidement de l'argent. En fait, si on ne les met pas dans les charrettes, ça va pas y aller, hein. À vous. Combien ça se vend, ça? Oh putain, ça se vend bien. Ah non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ils sont partis faire des moules. Oh putain, le nombre de moules qu'ils ont ramenés. Chaud patate, les mecs. Oh, ils sont vraiment chaud patate, mes hommes. Et eux, ils font quoi? Ils font plus rien. Oui, il est à l'église. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, caramba, c'est pas possible. Là, on est sur un schéma de coquelicot. Ah ben voilà, la charrette, elle est partie. Allez, à 4700. Je vais la suivre, tiens, juste pour voir où elle va. Parce que ma curiosité. Ah d'accord, ben, elle va pas bien loin. Hein. J'aurais pu rester avec des brouettes. Hein. Ouah, 6000. Des marchandises sont disponibles à bon prix dans un comptoir. Oh, c'est juste bonheur. Artisan niveau 3. Oh, merde. Alors, en mettant le jeu en normal, je crois que... Non, toi, ta gueule. T'as rien du tout. C'est moi, le patron. Oui, je crois que c'était elle. 25% d'expérience. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Hein. Le travail, c'est toute ma vie. Le travail, c'est toute ta vie. Bah, pex un peu, hein. C'est pas que tu pexes pas, mais du coup, je peux même pas upgrader ma ferme. Hein. Chien. Hein. Greluche, va. Je veux pas acheter. Bah oui, j'ai pas le. Ah, dans la famille, on n'est pas. Revient sur sa décision. Quel cours. Ah, mais c'est pas chez moi tout ça. Bien sûr. Chez moi, tout se passe bien. Je suis le maître. Ouais, non, tu es pas le maître. Donc, j'aimerais que ça aille un peu plus vite, alors on va mettre en avance très rapide. Jusque bon, allez, l'année elle est passée. Du coup, on arrive en l'an 1418. Oula. Ah bah oui, avec la sauvegarde auto, c'est pas ouf, hein. Bien avancé. Pex encore là. Mais bon, elle est marrante elle, hein, mais si elle ne pex pas, je suis dans la mouise. La peste, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Revient sur sa décision. C'est pas chez nous, c'est pas chez nous, et c'est pas chez nous. Et en fait, ça, c'est des trucs qu'on en a rien à foutre. La taxe sur les ventes vient d'être modifiée. Pourquoi il met 20%? J'ai bien mis la taxe, moi. Il fait chier le mec quand même, hein. Ah, on peut rien lui faire prendre à elle. J'ai eu marchandage. Ouais, 70 XP, youpi. Oh, il m'emmerde. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait que je l'assassine, lui, si t'as rien. Craft. Craft. Claf. Ça, je voulais l'acheter, mais je sais pas pourquoi... Non, il est à moi. Lui, par contre, il est pas à moi. Elle non plus, il est pas à moi. Acheter la mine, mais... j'avais pas assez, je crois. Il la vendait 21 000. Bon, 21 000 pièces d'or, là, c'était chaud, chaud. Et ils ont repris le boulot, ou pas? Ouais, ils ont repris le boulot. Putain. Allez, pas me faire de faillite. Allez vendre. Mmh. 42 moules, bah ouais, d'accord. Mais qui produisent plus de moules qu'autre chose là. Ah bah, du hareng, tu peux y aller, hein. Putain,
de saumon à l'orange, c'est un truc de dingue. Et beaucoup de bateaux. Hein. Alors, t'as fini de pex toi? Alors faut que je fasse gaffe à elle, hein, parce que bon, c'est pas non plus très ouf. Oh putain, elle a pas pris un niveau. Eh ben, t'es bon pour retourner travailler. En avant. Et un peu plus vite que ça. Hein. Bon. Nous, on va prendre nos gardes du corps. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Ben, en l'occurrence, tu vas venir à peu près par là. Et dès qu'on peut niaquer Al-Mousjouf, on va le niaquer. Hein. Ils doivent me suivre normalement. Ou je sais pas, mais... Ah, ils sont là. Ouais, des casques. C'est pas con, hein. Ouais, non, je vais garder mes sous. J'ai dit que je voulais faire prospérer mon deuxième... mon troisième commerce, plutôt. Pour devenir riche, toujours plus riche. Dans ce jeu, la richesse est signe de pouvoir, hein. Mais bon, il ne suffit juste pas d'être riche. Hein. J'avais fait une partie une fois, la baisse m'a tué. Ça, c'était ce qu'on appelle la baisse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais. Avec deux gardes du corps, hein, je suis passé R1. Hein. Il est où mon troisième? Mais bien entendu. Je sais pas lequel c'est, du coup. Ah bah tiens. Ah, c'était celui-là. Vu que ma femme reste à la maison, elle craint pas grand chose. Du coup, je préfère avoir trois gardes du corps. D'accord, c'est peut-être pour ça. Mmh. Elle escorte la dame. Rien de tel qu'une bonne bière. Où dois-je attaquer? Oh! De toute façon, le but là, c'est de les tuer. Hein. Il n'y a pas de pitié. Hein. On va massacrer le mec de la guilde rivale, là. Enfin, elle n'est pas vraiment rivale, la guilde, mais... Collecteur des impôts. Oh, il est là. Il est là. Nous l'avons trouvé. Il est tout seul, il est tout seul. C'est parti. Oh là, il y a 10 pélos qui lui sautent dessus, le mec. D'un comptoir est terminé. Aïe, aïe, aïe. Et tout le monde lui saute dessus. Enfin, même le dernier. Allez, achève-le. Boum. Vous venez de commettre un meurtre. Ouais, mais... Il y avait personne. Qu'est-ce qu'il fait de boue, lui? C'est bien que ça. Alors, venez de commettre un meurtre, c'est pas grave. La peste est apparue à Londres. Ouais, offre terminée. Votre relation avec la dynastie Claff est passée de neutre à des situations querelles. Attends que ta femme elle arrive, mec, on va s'en occuper aussi. Tiens, elle est là. En parlant d'elle, ça tombe très bien. Mise à mort. Ah mais non, elle se casse. Elle est partie à la guilde. Hein. De toute façon, je suis devant chez eux. Ils sont obligés de revenir. Ah, j'aime ça.
Il y a un problème ? Mais Pex ! Bordel, Pex, petite femme. 130, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Elle veut pas monter, hein. T'as beau lui mettre des points, ça change rien. Ah la voilà, ah la voilà. Est-ce qu'elle arrive par là? Oui, oui. Oui. Hop. On y va. Ah. Pff. Allez. Ah, on est beaucoup là, on est beaucoup. Allez, allez les gars. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous pouvez le faire. Ouais, il va tomber, allez. Bah voilà, il est tombé. Allez, maintenant, achève-moi cette garce. Vous venez de commettre un meurtre. Et un deuxième, allez. Ah. Comment ça, allié? Il n'y a pas d'allié chez moi. Si vous le dites... Voilà. Vous venez de commettre un meurtre. Dynastie vient de disparaître. Très bien. Les marchandises sont disponibles à bon prix dans un comptoir. Oh merde, je peux pas acheter le bâtiment, fait chier. Oh, dommage. Dommage, dommage. Du coup... C'est bien que ça. On va ramener nos hommes à la base, hein. Bon, d'accord. Mais non, j'ai fait le boulet, là, hein. Voilà. On est bien. Et elle est le pex ou elle pex pas? On va peut-être les faire dormir, les mecs, hein. Oh, on va les mettre à soigner. J'ai tué tout le monde. De toute façon, on pétera tous les bâtiments, hein. C'est nous le patron. Qui oserait s'interposer? On se le demande, hein. Et ben moi sur ce, je vous laisse pour la fin de cette petite vidéo. Receleuse. Oh, d'accord. Et je vous dis à plus pour la suite de cette charmante petite vidéo. Mais on va soigner nos gardes, hein, parce que bon, au passage, hein, quoi de neuf ? C'est beau tout ça, mais s'ils ne dorment pas, on est un peu dans le caca. Ah bah ils ont fou de vie, mais on va les faire dormir quand même un peu. On n'arrive pas à trouver de lit. Ok. Ils ont des foules, donc ça ne sert à rien. Et moi je vous dis à plus tout le monde, et on se retrouve pour la suite.